En jour qu'a venir là yo, gè gros rebondissement qui pral fait dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Président colombien Gustavo Petro, eh bien gè bagay k'a préparé avec ministère de la justice dans pays Colombie, dans ça qui gè pour avec mercenaire colombien yo qui dans pénitencier national là. N'a venir avec plus de détails pour vous. Non, yon ti moment. Ambassade Canada dans le pays d'Haïti commence à exécuter promesse yon fait PNH là. Eh bien, hier mercredi 29 mars, l'ambassadeur canadien Sébastien Carrière rencontré avec autorité la justice en Haïti yon et décidé signer un protocole d'entente côté que policier a gagné pour prendre formation avec un pilote promesse yon te fait qui sous route pour exécuter. Eh bien, dans même journée hier, 29 mars, c'était l'occasion pour nous découvrir, yon l'autre fois encore, niveau mensonge qui gagne, niveau hypocrisie qui gagne en dedans pouvoir Ariel Henry, que André Michel a dirigé. Eh bien, hier, André Michel lui fait plusieurs tweets. Tout ça, nous allons le partager avec vous, nous allons donc comprendre plus bien, chaque jour puis plus, que André Michel nous est là. Qui s'est allié pouvoir Ariel Henry, li se principal obstacle pour gagner yon bon élection qui fait dans pays, pour gagner yon bon réforme constitutionnelle qui fait en dedans pays, et troisième bagaille pour arriver mettre campé yon bon conseil électoral provisoire. Bonjour, bonsoir tout le monde, m'espérez nous en forme, m'espérez nous parer pour émission jodi. Émission chargée en pile information nous pote pour vous. Et nous parler donc comprendre plus bien actualité politique là, c'est pas deux trois bagailles cap boui en dedans pouvoir rien qui nécessité pour connaître pour découvrir. C'est un véritable plaisir pour moi avec vous ou sous taxe 509 tout haïtien connecté sous pourquoi abonner m'a invité ou abonner activer petite cloche notification pour pas rater aucune vidéo n'a pas gagné pour nous poster puisque nous toujours là pour nous informer de tout ça cap dominer actualité. Et bien, je te annonce nous dans le commencement vidéo. Et bien, ambassadeur canadien en Haïti, Sébastien Carrière, hier mercredi 29 mars, qui était occasion et qui était en période de rappel, en période de mémoire pour les Haïtiens. Hier marqué 36e année depuis nos constitutions, depuis nous sommes un pays démocratique qui sortit en bas jour dictature, qui sortit en bas jour oppression. Et bien, 29 mars, pas seulement symboliser 36e année constitution pays, mais tout, c'est après l'occasion pour différents et l'autre pays qui en a fait avec Haïti, qui yo même entre guillemets, décidé de prendre des engagements pour pays, qui t'a décidé d'aider Haïti pour yo te faire, pour yo te paraître tête yo, pour yo te mettre quoi yo dehors, dans l'idée pour montrer qu'on bagaille qui vraiment a réglé. Et bien, ambassadeur canadien, Sébastien Carrière, hier, il a annoncé que il y a un protocole d'entente avec PNH, avec Haïti, qui pral renforcer l'Académie Police. Et projet ça a mis en place, c'est Coordon International qui lui-même qui pral contribuer avec formation cadre en dedans PNH, qui pral permettre que et PNH fait face avec crise sécuritaire que nous avons traversé en dedans pays là. Malgré que nous connaissons et formation que vous promettez cadre, formation que vous promettez policiers, vous n'avez pas jamais vraiment suffisant. Vous n'avez pas vraiment suffisant parce que si nous compté, par exemple, gagner un pays, la France, qui dans 8 stages, vous formé près de 216 policiers. Quand il y a un pays côté que l'insécurité a taillé mandat, insécurité a fait ravage, gang fin pour tout pays, n'a pas allé n'a aidé Haïti, n'a pas allé n'a aidé policiers, n'a formé policiers, n'a formé des cadres. Et puis sur 8 stages nous fait, c'est 216 policiers pour qui ça? Qui crée l'ambassade yo gagné, qui crée l'autre pays yo gagné, yo pas avlé. Là yo mette, yo ta mette 50 policiers bim, 50 policiers soit, 50 policiers bri, 50 policiers boy dans formation. Yo pas avle pour le yo aller avec policiers ça en France au Canada, yo pas avle pour policiers yo sauver. C'est principal préoccupation yo. C'est principal crainte yo gen dans moment là. Le fait que Haïti non situation difficile pays en tête en bas, yo mette dans tête yo plus policiers ont des possibilités, ont un visa pour aller prendre formation, et ben c'est plus risque qui gagne pour policiers autour de dans pays.
c'est plus risque qui gagne pour policier leur fin prend formation ou bien depuis leur arrivé dans l'aéroport dans le pays pour tout laguer pied pour yo pas retourner en Haïti. Donc yo obligé à faire bagarre là pas contre goutte. Yo obligé à faire bagarre là petit par petit pas même genre ouais bandi yo a marcher sur nous a privé sur nous petit par petit pas. Mais ce qui est sûr c'est que protocole d'entente l'issier et à travers NUD pral gagner $2 millions qui pral commencer bail pral gagner et l'argent qui pral commencer distribuer pour aider rénovation école nationale police pour aider acheter équipement l'étoile acheter plus armes acheter plus équipement de protection individuelle pour policiers yo acheter drone pour policiers yo parce que qui ça qui gagne là Jean nous connaît Jean nous tendez bagaille hier sous Miami Herald là. Bandi yo, yo ap utilize drone. Yo ap utilize drone pour yo faire kidnapping. Yo ap utilize drone pour yo traquer, pour yo veiller comme si yo viso ou même yo gen intention kidnapper, yo gen tan kote ou rete. Yo mette drone sous tête la caillou, y ap gade toute activité, y ap gade tout parcours à faire, y ap gade tout ça à régler, tout ça à gérer. Yo gade a ki machine nous sorti jodi an, là ou même on pense au sorti safe, pa gen moun k'ap veye, pa gen moun ki ap guetté et puis pi devant on pral rendre compte que bandi ça encore, il pral voye message, ba pral di jodi an m'pa pran, maintenant ki machine nous sorti, mais kote ou te passé etc. Miami Herald rapporte. À un certain moment, yo te croit que et pour en pile moun le fait que c'est soit citoyen canadien soit citoyen américain ou bien citoyen français que yo te exempt de kidnapping en Haïti parce que yo connaît depuis ou kidnapper un ressortissant canadien ou kidnapper un ressortissant américain ou kidnapper un ressortissant français ou quitter Haïti puis attendre quitter Haïti sans visa parce que l'on veut ou non FBI a soupi sou, Interpol a soupi sou, département d'état américain a traqué ou y a vinn chèche en Haïti a parito, yo pral juje ou, yo pral avoir, yo pral mettre en prison. À un certain moment yo te peur, mais kounye a comme yo vinn fè de kidnapping non business, comme kidnapping non, c'est moyen qui plus facile pour nèg yo rentrer l'argent et yo gen tout ton groupe avec yo ka blanchi l'argent pour yo. Donc ça vinn permettre que même ressortissant étranger yo pas épargné et ressortissant étranger c'est moyen qui plus facile pour nèg yo monter barème nan pour nèg yo lever niveau pour yo faire plus l'argent dans question kidnapping nan et tout point ça yo te soulevé nan et entre et autorité ministère de la justice yo ministre justice Emily Prophète te gen ministre planification Rico Pierre qui était là tout pour signer protocole d'entente là Sébastien Corrier était là. Plusieurs points sont soulevés dans ce qui est pour la nécessité qui est pour former les policiers, pour accompagner les policiers, pour aider par rapport avec les problèmes de sécurité qui sont dans le pays. Mais est-ce que ça suffit, je ne dis pas là? Est-ce que le simple fait, Vini dit que nous avons fait des promesses, montrer que nous commençons à exécuter les promesses, nous faisons, prendre des décisions, signer des protocoles d'entente, est-ce que ça suffit véritablement? Pour aider Haïti, pour aider la population haïtienne face avec problème de sécurité. Parce que yo toujours dit, yo dit et nous conscients que problème de sécurité qui vient là, c'est parce que autorité, yo en pile dans autorité qui a dirigé l'État, je vous dis là, yo participé à créer une sécurité. Yo participé à financer une sécurité. Yo participé à créer une sécurité à Jarret. Parce que là, nous prend opposition politique là. Qui crée des séries de gangs sous prétexte que barricades et avenues, qui crée des séries de bandits sous prétexte que rete des barricades ou barricades, c'est le pour changer la rue, c'est le avenir. Eh bien, résultat, résultat, c'est on vite l'homme, résultat, c'est l'homme sans jour, résultat, c'est département la Tibonite là qui finit gangsterisé net. Moun la Tibonite pa ka vive la kay yo, moun la Tibonite paysan yo pa ka planter du rip, wap gade espace cultivable, wap gade terre côté paysan yo ta suppose et plein du rip, fè du rip, wap gade même ti broussay, même ti zèb oui, bèf yo pa jwenn, kabrit yo pa jwenn pou yo manje pou ki sa, parce que moun yo pa ka vive encore face avec insécurité. Moun yo pa gen l'autre option kounye a. Que yon même mobilisé yon pour yon répondre avec faible moyen yon gen, face avec bandit kap théorisé yon, face avec bandit vin touye yon. Et qui sa l'état dit dans tout bagay sa?
Qui réaction Ariel Henry? Qui réaction mini justice et mini prophète? Qui réaction opposition politique là qui t'a promet que pral gen sécurité, pral gen stabilité, etc.? Qui réaction aujourd'hui? Rien pas fait. Yo montre pas de aucune velléité vraiment pour résoudre rien. Et par rapport avec manque de volonté qui anime nèg yo, par rapport avec insouciance et conscience nèg sa yo, ou yo vinn jwenn nou international qui a joué titato avec Haïti. Ou vinn jwenn nou la France, ou vinn jwenn nou États-Unis, ou vinn jwenn nou Canada. Yo a joué tolalito. Jounen jodi an gen plusieurs considérations nou ka fè. Gen plusieurs considérations nou ka fè par rapport avec approche que États-Unis fait de problème Haïti. Un plan stratégique sous 10 ans. Un plan stratégique pour aider Haïti faire face avec problème instabilité, gen la problème politique, problème structurel yo, problème et sécurité. Oui, nous considérons que pour que c'était problème Haïti gen la, problème multiforme yo, problème yo en pile, problème yo endémique, ça veut dire yo profond yo la bien longtemps. Du jour au lendemain, on pas ka résoudre, mais gen on priorité là, priorité principale préoccupation haïtien, chaque grain haïtien, c'est question sécurité, c'est question gang, c'est question bandit. Mais le fait que nous joignons au international, nous joignons des soi-disant pays amis d'Haïti qui toujours fait des promesses, qui toujours montre une volonté pour aider Haïti, malgré que y a promet des millions de dollars, nous constatons au final 100 millions promettre, 100 millions décaissés, nous pas ouais qui avance qui fait pas bon la police, nous pas ouais qui ça la police gagne et qui meilleur qui ca aider au combat de bandit. 10 millions bay, nous pas ouais qui ça qui changer. 50 millions bay, nous pas ouais qui ça qui changer. 250 millions promettre, nous pas ouais qui ça qui changer. Et yo toujours a augmenter quantité l'argent y a promettre payant, mais rien pas jamais changer vraiment en dedans PNH pour résoudre problème là. Kounye a là obligé poser cette question. Est-ce que promesse ça yo ou bien est-ce que l'argent ça qui soit disant décaissé pour ajouter PNH pour acheter équipement pour policiers ou pour acheter des armes pour policiers yo, est-ce que nécessairement le l'argent ça a débloqué, qui ça yo fait avec lui? Qui ça nul fait avec l'argent considérablement? Et c'est là tout, oui. Et c'est là importance ULCCY, UCREFIE, pour yon ta enquête, pour yon ta connaît effectivement, est-ce que l'argent li décaissé? Est-ce que PNH achète équipement? Est-ce que policier ou jeune nouveau équipement? Est-ce que travail la fait par bon côté unité de lutte contre la corruption? Ça, li extrêmement important. Mais comme nous pas un pays sérieux d'affaires, comme nous n'avons pas voulu faire pays, ces affaires par où y a réglé. Et puis nous rete là, nous vivons nos illusions, nous vivons nos illusions, côté que c'est blanc Karine fait tout bagay. Mais l'organe même blanc ça qui kope qui dit que jamais au grand jamais PNH pas jamais ka collaborer avec FADH. Ou ap mande est-ce que c'est ou même qui met pays ou? Ou ap mande te tout est-ce que c'est ou même qui grand moun la kayou? Ou ap mande te tout, jounen jodi an la, est-ce que Ariel qui nan te payant, qui place qui wali? Est-ce que son petit pantin lié, est-ce que son petit marionnette lié? Parce que l'on pas qu'à prendre vraie décision yo, l'on pas qu'à prendre vraie décision cap utile pays ou cap défendre l'intégrité pays ou qui place ou qui wolou. C'est ça que fait moi-même m'a toujours senti confortable par rapport avec un paquet l'autre autorité qui connaît ces chefs là caillou tant par exemple gagner premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Biden rete la kayli États-Unis là ni crété carrément il dit faut gagner réforme judiciaire et qui fait et dans pays Israël ou pas chita avec autorité israélienne yo ou pas négocier avec yo yo pas mande yo pas dou yo pral faire réforme et puis ou on y calé dans journal devant journaliste etc. ou déclarer que pral gagner des réformes en profondeur qui pral fait et dans pouvoir judiciaire dans système judiciaire israélien et bien sans perdre du temps premier ministre lui mette tête leader pour demander nan qui ça? Nan qui ça Biden a rentré là? Nan qui ça système judiciaire israélien gien pour avec et États-Unis gien pour avec président Biden qui fait le camper, lui dit que pral gen des réformes qui pral fait. Ça c'est décision peuple israélien, c'est décision gouvernement israélien, li pa gen rien pour avec États-Unis. Donc jodi an la nous pensons nous Ariel qui brave comme ça. Nous pensons nous gon pouvoir l'état
nous avons des autorités qui en dedans administration publique qui conscient de nécessité qui gagne pour camper pour défendre pays. Nous pensons nous avons ministre défense Enol Joseph qui garçon là c'est pour ta dit et nous avons l'armée bon ministère défense là c'est responsabilité nous pour nous travailler de concert avec et au commandement l'armée pour nous bailler équipement pour nous bailler matériel. Nèg yo préférer gagoter un paquet million comme sorti dans douane non voler l'argent payant alors que tout million ça chaque mois cap sorti à jeune des particuliers yo té ka mettre le non budget yo té ka rentrer dans cadre projet pour acheter équipement pour acheter tout ça la médaille ti a besoin et sans nèg yo pas rendre compte gon bagay qui a passé là sans nèg yo pas rendre compte à chaque fois bandi yon li joine possibilité pour le plus gros âme. Son longueur d'avance la prend sous PNH, son longueur d'avance la prend sous policier. Parce que, songez bien, zam que, et l'ordre de ya fort don, ya fort cadeau, etc. C'est ça dans l'idée yo ba ou. En pile fois, c'est pas ça ou vle ya yo ba ou. Et même le wap acheté, m'gen l'impression que autorité za yo, États-Unis, Canada, c'est ça yo même yo décide à tous les coups, c'est yo même pour yo ba ou. Donc, je ne j'en dis, si nous pas qu'à chercher, si Haïti, si gouvernement haïtien pas qu'à chercher l'autre couloir, pas qu'à chercher l'autre filière, pour yon jouer une zam, pour payer un achat, pour yon jouer une zam, pour yon armer l'armée d'Haïti, il est évident que, question de sécurité n'a pas l'air, c'est qu'à Ivoise n'a prêté n'a pas sécurité. C'est dans l'autre pays n'a prêté n'a pas sécurité, mais en Haïti n'a toujours une instabilité, n'a toujours un pays qui emploie de violence, n'a toujours un pays côté ces gangs qui a dirigé, côté ces gangsters qui a fait pression sur population qui gagne contrôle vie à bien monde. Et bizarrement, bon bagay qui a préparé là. Deux jours de cela dans l'espace terminal Vaoué, bon, il y a près de deux mois là, il y a près de deux mois, il y a affrontement qui a fait dans un terminal Vaoué pour contrôler le territoire. Mais deux jours de cela, il y a déchargement, il y a déchargé bateau qui portait dans les alimentaires. On grain balle marron sorti, côté sorti, il tombe dans le bateau. Il y a deux employés terminal Vaoué qui blessés. Il y a possible pour rentrer gaz. Li possible pour gaz pas ka sorti dans terminal Vaoué pour aller dans pompe. Donc là ou déjà comprendre. Nan jou k'ap gen pou vini la yo, li probable pour gon l'autre rentrée artificielle gaz. Nan jou k'ap gen pou vini la yo, li probable pour même problème yo commencer encore tout moun a galon jaune yo dans la rue, gaz a tout monté encore et puis ça attendé a peut-être c'est prétexte Ariel Henry a gouvernement là pour le réajuster pour le remonter prix gaz. Nous pas jamais connaît parce que nous connaît n'est pas bon ici, c'est audacieux et c'est coquin oui. Et tout est lié. Insécurité en lié avec question instabilité politique là. Nèg qui dans politique cap armé gang cap armé bandi. Instabilité politique là li lié avec question économie hein? Donc puisque moun yo pa kal vake activité yo nèg ki a fait business en Haïti yo profiter tout bagay tèt nèg yo monte tout bagay yo s'attendé à la dollar et goud la pran calotte au profit de dollar grimpé et puis a fait tout moun a régler a fait tout moun ki gen l'argent dedans pays a régler malheureux pa ka vivre. Pendant de malheureux, pas qu'à vivre là. Même moun sa opte kon abdou, malheureux, pas nan fèt là, bien yo même, c'est yo même kap marche sou. Malheureux. C'est yo même kap rentre nan 5,50 m. Parce que l'opte de série de déclarations qui a fait, de série de paroles kap soti nan bouche, de série de nèg qui fin krasé pays, qui sont passé 4 ans à krasé un pays, à déstabiliser un pays, wap pose te tout question. Est-ce que les nèg sa yo t'a parlé, les yo t'a agi? Est-ce que c'est sous stupéfiant yo dé? Est-ce que yo t'a kon prend drogue? Est-ce que yo t'a kon fumé? Est-ce que yo t'a kon prend cocaïne crack? Par exemple, ni quelle déclaration nèg fait formande est-ce que t'a plité droite là dès qu'on a dit yo? Gen kèk bagay moi-même m'a gardé nèg qui était dans opposition André Michel, Lionel Kassim, Jean-Marie Michel yo a dit journée jodi là. Li évident m'oblige poser tête mes questions. Les nèg sa yo te kon a fait des déclarations sous président Jovenel Moïse, est-ce que tête yo te droite? Hier, m'a regardé André Michel qui fait 3 tweets. N'a regardé yo là avec moi, mettez yo pour nous. Dans première partie, André Michel li déclaré 29 mars 1987, 29 mars 2023. Ça fait 36 l'année depuis nous gagnons en constitution.
Jodi a Napton, HCT a lancé officiellement débat sous cause révision constitution pour nous mettre proposition nous sous table. Nous pral mobiliser tout pays pour entrer dans débat sous révision constitution. Et là le plus loin toujours, bam bam nous. Li continue pour le dire, faut député et sénateur suspend by ministre pression pour l'argent. Kose utilise les affaires des charges pour mettre moun de yo dans les affaires politiques paysans doit suspendre. Est-ce que nous besoin tout député et sénateur ça yo? Kose élection chaque de l'année a doit camper. Soit ça, faut diaspora à la dol, trop chef dans le pays. L'État dépense trop l'argent pour un bon chef qui pas régler rien. Est-ce que n'a qu'un BCSPJA ou bien n'a bay coup cassation gérer pouvoir judiciaire? Est-ce que li normal pour chaque 3 ans yon juge instruction a chercher patron politique pour renouveler mandat? Qui ça n'a fait pays? Li lè pour nous faire débat ça yo. Évidemment, li lè pour nous faire débat ça yo. Li lè tout pour même qui a regardé vidéo pour découvrir qui est André Michel là et tout bon. Ou a regardé un discours. Sou pas connait André Michel peut-être t'a dit tout. Oh! Tout ça dit yo sensé, tout ça dit yo gen sens yo, yo gen place yo. Oui, faut diaspora la dol. Oui, gen trop chef en dedans l'état. Est-ce que obligé gen tout député ça yo? Est-ce que obligé gen tout sénateur ça yo? Pour qui ça va ta gon réforme constitutionnelle etc.? Mais question ça, c'est moi qui pose yo. C'est moi qui pose yo, c'est pas André Michel qui pose yo. C'est pas un nèg qui fin crason pays comme ça qui pose yo. C'est pas un nèg qui empêche réforme constitutionnelle faite dans le pays déjà qui pouvait poser question ça yo. Et on pourra comprendre noir sur blanc qui ça fait c'est Kounia André Michel a mandé pour accepter il y a tant pour venir faire proposition pour réforme constitution. Bon dou. Nous songe président Jovenel Moïse te gen idée fait référendum. Et bien mes amis, m'pral ba nous des informations de très bonnes sources. Nous après Ariel Henry dans moment là principal obstacle pays, principal obstacle pour pays ça jouer une stabilité politique li par l'autre monde que André Michel. Et m'bral ba au détail qui ça qui fait selon moi même principal obstacle c'est lui-même. Nous songe te gon CEP qui te mette campé pour organiser élection pour élection te fait en dedans pays. Pour qui ça selon ou même CEP ça pas jamais arriver faire élection. Pour qui ça CEP pas jamais qu'arrivé finaliser processus élection ni processus référendum non. Parce que véritablement t'es gen moun qui t'es campé en face yo. Yo même tout différents membres CEP t'es face avec des obstacles. Et obstacles ça yo qui côté yo t'es? Yo t'es à la fois dans cour de cassation et yon l'autre bord yo t'es à terre nèg qui t'es dans opposition politique. Mais pour la question à poser tout, comment fait au CEP le mettre campé dans l'objectif pour faire élection, pour venir un autre président dans notre pays, pour venir de nouveau élu dans notre pays, comment faire cour de cassation constituer un obstacle? Vous pas comprendre? Eh bien, bon, faut comprendre. Cour de cassation, c'est la juge en dernier recours au siège. Et constitution fait obligation ak des séries de moun qui pral occuper des fonctions, qui pral rentrer dans des fonctions, yo genye yon obligation de prestation de serment. Yo gen obligation pour yal prêter serment devant juge cour de cassation yo. Si nous pas égaré, si nous soumet nous pral wè Ariel Henry qui ça le saute fait tout récemment là, li saute compléter cour de cassation, installer juge yo. Parce que l'objectif là, c'est arriver à mettre campo en CEP pour aller organiser un référendum à l'élection. Étant donné que, dans la cour de cassation, différents juges qui étaient là, yo, parmi eux, Wendell Kok, ah oui, juge Wendell Kok, qui a eu intention pour venir président, et même juge Wendell Kok, ça, qui a eu la cité dans l'assassinat président Jovenel Moïse, même juge Wendell Kok, ça, qui était dans opposition politique là, il était membre cour de cassation. Intention qui s'altère pour yo dans opposition, c'était choisir un juge dans cour de cassation, mettre comme président pays, là au fin chavirer Jovenel, là au fin touyer président etc.
Mais l'on parle de pouvoir judiciaire, juge n'est pas supposé impliquer dans la politique. Fonction de juge là, li incompatible avec des fonctions politiques. En tant que personne, en tant que juge, ou son moun, oui, ou ka gen conviction politique ou? Oui, ou ka gen conviction politique ou ka flashé sous tel dirigeant, sous tel leader, sous tel moun. Mais question de publicité pour faire publicité pour montrer ou gen appartenance politique avec tel groupe, avec tel autre groupe, li contraire avec statut de juge ou? Eh bien, c'est depuis l'ESA que CEP, président Jovenel Moïse, te mette campé, hein? Monsieur Damio te commencé à prendre baf. Monsieur Damio te commencé à prendre cours. Donc, nous venons comprendre, depuis à la base, monsieur Damio, dans l'opposition politique, yo te cherché vicier toute procédure qui te fait, tout travail qui te fait pour te mettre campé, yon CEP qui t'a gagné obligation pour organiser l'élection, pour inviter peuple à aller voter, à aller choisir moun nouvelé pour remplacer président Jovenel Moïse, pour remplacer député et sénateur. Parce que automatiquement, même CEP, yon yo pas prêté serment devant cour de cassation, devant juge, yon yo pas de légitimité. Ça a nous clair sous lui. Et c'est une des raisons, t'as peur de y'aurait les créés électorales, y'aurait les différents membres CEP, y'a moun ka fait créé, y'aurait les, y'aurait tout non. Parce que y'a pas de légitimité, y'a pas de passé devant, y'a pas de prêté serment, y'a pas de cas vin, y'a pas de cas faire valoir qualité et de membres de CEP. Mais le fait que moun y'a pas de prêté serment, c'est pas dans volonté moun y'a, c'est pas dans volonté président Jovenel Moïse, c'est pas dans volonté gouvernement qui était là, mais plutôt c'est politique qui t'a fait en dedans cour de cassation avec ticlic André Michel là, ticlic opposition politique là, ticlic opposant radical qui était là à l'époque. Sou pas comme ça bam tout douli. Information que je de très bonne source. Jour pour prestation de serment fait dans cour de cassation, tout membre CEP yo descend. Yo descend, yo te ba yo l'heure pour yo aller, tout moun rive sous place pour yo prêter serment. Et juste ça, c'est pas seulement membre CEP qui te gagné pour faire prestation de serment, te gagné et assistant directeur au PC qui te gagné pour faire prestation de serment après que membre CEP yo te fin passé. Qui ça nous connaît au fait? M'ba quoi mémoire nous fait nous. Des fois nous songe tout tolalito, tout monter descend même CEP yo t'a fait. Eh bien, yo fait assistant directeur et OPC a vinn prêter serment avant membre CEP yo et puis une fois que assistant directeur OPC a fin prêter serment, juge yo commencé à aller grain par grain. Manque de respect. Yo quitté assemblée, yo quitté séance grain par grain, yo allé. Yo allé, yo allé. Jusqu'à ce que yo renvoye, yo ajourné prestation de serment même CEP yo. Yo voye yo aller et puis ça doit là oui. Yo voye yo aller signer dié, ya rele yo. Sans délai, ya rele yo toujours préparé yo, ya rele yo. Et jusqu'à date, rien pas jamais fait. Ça plus grave là. Peut-être que capable connait information ça. Nous un jour même pour même CEP yo al prêter serment. André Michel li débarqué dans cour de cassation. André Michel li pas juge, André Michel pas journaliste photographe, li pas journaliste reporter, ou par contre qui wol li descend dans cour de cassation, la assurer que travail yo bal faire, job yo bal faire, mission yo bal faire, li exécuter. Et objectif là était clair, c'est pas quitter CEP en prêter serment. Li descend, l'al assure. Et automatiquement, l'al descend. Son intimidation lié. Son intimidation lié. Parce que, m'pas ka kwe, ou son opposant politique, ou président choisi membre CEP pour organiser l'élection en toute transparence, et puis ou même ou descend, ou aller côté prestation de serment fait, alors que déjà gen yon cour, déjà gen cour de cassation, en dedans cour de cassation, gon paquet juge qui nan politique, gon paquet juge qui gen ambition politique, qui allié avec opposition politique là, yon vin assurer yon que prestation serment pas fait. Donc imagine ou si te gen pression qui t'a fait pour prestation serment ça fait, comment bagay ça te ka fini avec nèg André Michel ça yo?
Comment bagarre avec toi? Nèg yo tellement rivé non limite côté que y a intimidé membre ZEP yo, c'est sorti, c'est descendre, al faire photo machine membre ZEP yo, al prendre vidéo, al faire photo plaque machine etc. Non l'idée pour intimider moun yo pour pas faire travail yo. Non l'idée pour intimider yo pour pas gè référendum qui fait, pour pas gè élection qui fait. Et puis même André Michel ça journée jodi a, l'a parlé côté que l'a tonne ACT. La tonne ACT, c'est ACT, la tonne, c'est Madame Aniga, la tonne, c'est Calix Feridor, la tonne, c'est Laurent Cécile, la tonne, pour yon vini avec question et réforme constitutionnelle là, pour lui même, pour le cas, mettre proposition sous table. Qui proposition qu'a fait? Moi-même, pas aucun problème personnel avec André Michel. Mais honnêtement, moun sa arrive, non point tel que, moi-même, en tant qu'haïtien, yon fait pas qu'à vivre dans le pays. Moi-même en tant qu'haïtien, yo fèm pa ka respirer dans pays, yo fèm pa ka apprendre merde dans pays, yo fèm a fui pays, yo fèm tourner réfugié dans propre pays, moun sa yo akije pou me garder yo. Moun sa yo, comment pou me sentir vis-à-vis de yo? Problème nou gen avec André Michel, son problème collectif lié. Problème n'a pas concerné moi-même individuellement comme un simple citoyen, li concerne nous tous. Parce que journée jodi en tant qu'haïtien, journée jodi a l'un des grands groupes nèg qui te dit on t'a bataille pour nous, pour avancement pays, pour stabilité pays et puis c'est ça yo remet nous. Des millions de dollars décaissés. Près de 40 millions de dollars débloqués pour un référendum, nèg yo gaspille l'argent l'état haïtien. C'est pas l'argent ni États-Unis ni Canada ni la France, l'argent l'état haïtien. Parce que songez bien, c'est même communauté internationale ça qui pas d'accord que même corps ça qui pas d'accord que président Jovenel Moïse fait référendum, 40 millions de dollars pour référendum dans organisé, c'est l'argent contribution, l'argent taxe, l'argent impôt nous. Donc nèg sa opposition qui gaspille, qui gagote yo et puis kounye a Jean tap traité président Jovenel Moïse, ti vagabond l'on croise avec les sapatal soufflete l'on, ti vagabond sa rekounye a, jodi an, pou yap kampe nan figi moun, pou yap kampe nan figi ou nan figi m, sou prétexte que yon konne diaspora tellement vle vin participer nan vi politique de la pays, pou yap foure diaspora nan koze yon nan lobe yon. Nous même qui dans diaspora faut nous ka commencer bat chalbari derrière yo, nous pas besoin André Michel comme porte-parole nous pas besoin André Michel comme défenseur nous pas besoin André Michel comme moun qui a mandé intégration diaspora dans vie politique. Parce que bien longtemps nous t'avons gétant voté, bien longtemps nous t'avons gétant participé dans référendum, nous t'avons décidé ça nous voulons de par nous-mêmes. Je ne veux dire c'est pas un paquet corrompu, c'est pas un paquet si malandré qui fin craser un pays, qui fin faire complot met Haïti côté lié là. Qui fin mette éviter l'homme innocent sous moun. Et pour pral tande pi devant, qui pral dou, pral parler dans nos pays, pral parler dans nos peuple. Jodi an la principal obstacle qui est lié. Et m'ba nous garanti si élection organisée avec André Michel, avec Ariel Henry, si réforme constitutionnelle faite sous yo en vérité, ouais, André Michel est en plein pour 10 ans PHTK qui gangsterise pays, qui mette nous côté là, eh bien nous pas besoin parler. Nous pas besoin parler ça qui arrive à Haïti avec Nexayo. Régime bout de ça, régime ou Ariel a dirigé tant qu'on dictateur qui gèle pété zoreli crève le matin de ya. Et bien nous avons besoin d'attendre nous à qui ça nous ka joindre puis devant. Parce que bon, comme ba ka fait colère, m'pa doué nan fait colère, moun sa énervant vraiment. Yo énervant. À un certain moment moi m'a mandé tête moi, qui ça nous doit faire? Qui ça nous doit faire encore? Pour nous retirer pays en bas menèg sa yo. Qui ça nous doit faire? Qui ça nous ka faire? Parce que nous pas ka seulement rete là pour constater les dégâts. André Michel li pa nan gouvernement, André Michel plein machine plein policier derrière la cortège li, li gen machine l'état en bas derrière, à quel titre? De même pour Majorie Michel, de même pour un paquet allié. Phénomène ça pas ka comprendre ni. Pas ka comprendre ni. Yo font encore en septembre, li pa marché. Yo vin fon consensus 21 et décembre. Mais kounye a, André Michel l'a parlé crise politique, l'accord du 21 décembre n'est pas un contrat juridique. OK, pas un contrat juridique. Pas de problème. Ça veut dire et moun ki signataire yo pas tenu par lui-même. Mais bon l'autre bord. Accord 21 décembre, non il fait connait que y a une élection qui va organiser.
Mais Ariel là, Ariel, Jean, yo t'ap contesté légitimité CEP. Yo te rele CEP écrit, KEP écrit, etc. Et bien, je ne jodi an là, à quoi 21 décembre, non, à quoi crée ça? À quoi crée ça? M'ba quoi yo pral besoin de kouke nan tête peuple là? M'ba quoi yo pral chita là pour yo di, comme si de rien n'était avec ti clique yo nan corps groupe, avec ti clique yo de la communauté internationale là, yo pral vina avec une élection pépé, avec un référendum pépé et pas chiment de bachi là, pour yo vin kouke nan figino. Ça nous clair sous li, et pas rien doute que nous mêmes comme haïtiens, pas rien doute que nous mêmes qui voulons stabilité en dedans pays nous pas prendre pas de bagaille dans mer. Ça li évident. Et l'autre dossier qui est extrêmement important, toujours dans ça qui gen pour avec question et politique, question instabilité, question insécurité tout, nous songer et 28 octobre qui t'est passé à yo t'ai assassiné Éric Jean-Baptiste. Eh bien, depuis après assassinat Éric Jean-Baptiste, qui était secrétaire général RDNP, RDNP, bon, parti structure politique Madame Aniga, et Mounio, il y a des séries de l'autre alliés politiques, partisans politiques, militants qui estiment que Madame Aniga n'a pas fait rien pour Éric Jean-Baptiste jeune justice. Madame Aniga, qui sont proches pouvoir Ariel là, qui sont alliés pouvoir Ariel là, ils ont pas fait rien. Et jusqu'à présent vraiment, DCPJ pas sorti rapport d'enquête, ou pas de qui juge l'instruction qui saisit le dossier. Hein. C'est comme si, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et Éric Jean-Baptiste assassiné, et son citoyen lambda qui assassiné, et ils n'ont pas besoin qu'on ait si ça assassiné pour un mobile politique. Yo pas besoin qu'on ait si assassinat li a rentré dans vers divers, yo pas besoin qu'on si assassinat a un motif économique, yo on y rentrer dans quotidien. Yo rentrer dans quotidien chaque monde, même gens yo voulait faire nous vivre accepter insécurité, hein, accepter et crime qu'a fait sous forme actif yo. Donc toute bagaille comme si de rien n'était. Monsieur Damien a forcé nous boel. Donc m'espérer que madame Aniga li bien dormi chaque soir qu'on se si pas reprocher. M'espérer que li bien dormi chaque soir. Et il passe t'il bouleversé, il dormi léger, il dormi safe, il dormi bagay, parce que il y a quelques bagay qui a passé dans le pays, il faut que sommeil ou troublé, faut qu'on pas ka dormi, faut qu'on pour zombie qui a passé devant, hein. Bah il y a pas petit, bah il y a pas un jouet là-dedans. Et en parlant de zombie, on pas comme si nous faire remarque ça. Pendant semaine qui se passe, en semaine ça, on paquet nèg qui était qu'on a frappé président Jovenel Moïse du qui était dans opposition politique qui a mis tête dehors, qui a fait mea culpa. Et comme si nèg la vini, la mande pardon à la nation. Li regrette, j'en te qu'on a persécuté président Jovenel. Li regrette ça, te qu'on dit yo. Li regrette que te dans opposition. C'est comme si c'était devant, te qu'on a mis nèg yo. Nèg yo, comme si, j'en a mande pardon là, m'y impression, yo vle faire nous comprendre, le te qu'on a pas agi, déclaration, parole qui te qu'on a sauté dans bouche yo te qu'on a agi. Sous effet de produits psychotropes, comme si nèg yo gèl était kon drogué, yo était kon sou, pa comprendre. C'est ça nèg yo te vle faire nous comprendre. Nèg la dit pote zam, pote code pour marer président, pour touyer président. Et puis journée jodi an, nèg la regrette que te dit ça. Le président fin mourir, oui s'il vous plaît, le fin assassiner président, oui. Nèg la dit kembe président, souffle te président. Nèg la dit et boule payant, krasé payant, tout nèg qui te dans opposition politique, yon chaque te bon discours, hein? Yon chaque te bon face yon tap agi qui tap incite population boule kaoutchouk à bede barricade. Wap tande Daniel Supplice qui regrette, li fait mea culpa, li mande pardon. Wap tande ancien commissaire gouvernement dans ton lè, je oui, nèg sa li dou la pot kod, li dou la pot zam. Pour qui ça? Pour faire manifestation dans les organes, pour marrer président, n'importe moun qui a vu dans face yo, c'est marrer, c'est tout. C'est ça qu'on a fait promotion. Mm-hmm. C'est apologie de violence qu'on a fait. Mais je ne dis pas, c'est regret, yo gen nostalgie, yo batte de jojo encore, etc. Après, moun a posé question, qui ça, Martine, fait, qui fait nèg yo a mis tête de yo comme ça? Est-ce que c'est zombie Jovenel li la gede nèg yo? Est-ce que ces Jovenel li te enterré avec un pont ya al chercher justice dans des gwen nèg yo? Parce que yo pa ka comprendre, même moi pa ka comprendre ba la tout, parce que yo à un certain moment faut kou dit tout
gen bagay gon jonté gon jan ou t'a montré moun yo gon discours t'a vann ou pa gen ni klevon bon matin pour vinn montrer moun yo ou innocent pa gen pour avec sa terrier a tout nèg sa yo sonje non yo bien depuis ces opposition politique Canel Nel Majori André Michel Edmond Suplice Bozil et Youri té la dans G8 G20 tout nèg sa yo sonje non yo bien yo contribué à écraser pays parce que yo té constitué opposition radicale là des séries de alliés dans ton sa yo ah sonje non yo parce que faut nous nèg sa wap marcher dans la rue bon ba konnen si sa privé tellement y a gen nostalgie tellement nèg yo a gen regret si yo marcher dans la rue tout tourni puis avec tant comme un fou même gen impression zombie en la gen dans des gwen nèg yo zombie en gen pour faire nèg yo tellement sécher sous pied n'a mandé ça qu'a passer gen gen nèg m'a commencé sécher mais gen moun ki dit c'est question sanction qui fait ti figure cherche pareil même senti gen question zombie tout. Parce que m'songe l'homme t'est allé dans et mémorial yo t'ai fait année dernière pour président Jovenel Moïse dans tes confrères te dit ah la quoi va jouer non le grand monde moun yo eh donc si yo la zombie on a comprendre ça donc dossier assassinat président Jovenel Moïse j'aime te dire en commencement li probable li très probable pour un grand rebondissement qui fait là dedans parce que pays Colombie yo décidé pour yo attaquer en justice l'état haïtien pour violation de droits humains. Eh bien ça pral presque gain 2 ans là depuis colombien yo détenu en pénitencier national yo pas jamais passé devant juge naturel yo détenu dans des conditions inhumaines dégradantes comme si c'est dans les vacances yo t'est venu comme si monsieur Sarrazin dans hôtel yo t'est venu c'est plaisir yo t'est venu prendre bamboché yo t'est venu bamboché c'est dans croisière yo t'est venu en Haïti et Colombie vraiment contesté Jean Colombien yo nan pénitencier national et yo décidé pour yo ta poursuivre l'état haïtien. Donc n'a vraiment été focus pour nous évolution ka bien dans dossier ça. Mais ce qui est sûr, même le Gustavo Petro fait ça vle, Jean vle, mais nous même en Haïti, si Ariel Henry ta décidé pour ta remettre Colombien yo ta libérer Colombien yo, nous même nous gen réaction par nous dans population. Mbakadou ki sa la pye, mbakadou comment on a réagi, mais ça qui est évident, ça qui certain. Nous ne pouvons jamais accepter pour Colombien ou ta quitté pénitencier national pour ta bien passer la caillou en Colombie. Ça jamais, au grand jamais. Donc, restez connectés avec nous. C'est un véritable plaisir pour me dire avec aujourd'hui, pour me déposer des informations pour vous. Rendez-vous à le casser demain sur même chaîne, dans la même lieu. Si vous pouvez abonner, je vous invite à vous abonner sur TAC 509 tout haïtien connecté. Émission, c'est mon éditorial avec Yannick. Nous là pour nous parler pays, nous là pour nous commenter l'actualité ensemble. Restez connectés. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial, sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial, nous bras la valet pays, nous bras le fait débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voir.